Coucou tout le monde. J'ai décidé d'essayer un nouveau format. J'avais bien envie de tenter le vlog sur une semaine. J'aime bien regarder les vlogs sur YouTube, donc voilà, pourquoi pas. J'essaye de faire ça depuis mon téléphone. Je ne sais pas trop comment je vais le mettre sur l'ordi. Il faut que je trouve un moyen pour faire le montage. Voilà. Il y a du bruit, j'espère que vous n'entendez pas. On est lundi. Combien? On est lundi 8 août. Il est presque 16 h. J'ai travaillé ce week-end, ce qui explique la petite mine. Et j'avais une bonne migraine ce matin en me couchant et tout à l'heure en me levant. En plus, il y avait des travaux juste devant la maison. Ils refont le, comment on dit, le tout à l'égout, là, l'évacuation. Bref, voilà. Alors, du coup, cette semaine, là, je viens de finir mon TA top de Suzanne Sommer il y a 5 minutes. J'ai fini de. Il y a encore plein de fils qui traînent. J'ai très très envie de me faire encore un top d'été. En biobalance. Je pense que je vais partir sur le resort. Donc en fait ça c'est de la biobalance couleur un peu genre bleu jean que j'ai acheté il y a Perpète qui a déjà été mise sur deux projets démontés. J'avais commencé un gilet de Rory Locatelli en tout en torsade là. Mais du coup il y a longtemps et le machin il est beau. Trop grand, donc je commence à démonter. Donc l'objectif, ça va être de faire ça cette semaine. Il faut que je commande mes nouvelles aiguilles. T'as gagné encore J'ai gagné un encore un bisou. bisou. Tu dis Ouais. bonjour. Coucou. Et en fait, C'est c'est le le dernier dernier. machin. Maintenant, je vais tout nettoyer. D'accord, on va Et ça nettoyer. va être bon. D'accord. Je vous mettrai une petite vidéo. Il voulait que je dessine des cœurs sur un papier. Il mettait du scotch autour et il nous faisait piocher dans une boîte après. On gagnait le nombre de bisous qu'il y avait sur le papier. Faut que je commande les aiguilles en 3,25 pour finir le Saiga. J'ai aussi des aiguilles 3 qui ont pété quand je faisais la bordure de celui-là. Et en fait, je pense savoir pourquoi ça a pété. C'est parce que j'ai mis des trucs pour adapter entre les aiguilles, les petites et le câble mini. Et en fait, quand je tiens mon aiguille, il y a une pression et juste à la jonction entre le bambou et le connecteur en fait, comme c'est un peu plus long. Et d'ailleurs ça fait crac. Bon, j'ai un autre jeu d'aiguille 3 parce que j'en avais déjà une qui était pétée, donc j'en avais racheté. Donc ça me fait un jeu en bambou et en métal. Voilà. Donc il faut que j'avance le saga. Il faut que je fasse le top resort. Bon, bah, vu que celui-là, je l'ai fait en 3-4 jours, le resort, ça devrait aller. Il faut que j'avance mon wannabe. J'ai fini le corps. Maintenant, il faut que je fasse les manches. Il faut que je finisse une paire de chaussettes. Et j'ai très très envie de faire un challenge socket
c'est d'Emma et moi qui a fait un challenge avec les chouquettes pour voir si elle pouvait la tricoter en 8 heures de temps, une chaussette. Et j'ai très très envie de relever le défi et d'essayer, mais du coup avec un autre patron, c'est les Lean Socks, avec qui il y a une petite dentelle sur le dessus. Je pense que pour une semaine, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Et en plus, je travaille jeudi, vendredi. Voilà. Je vais l'essayer tout. Après, il va partir au blocage. Je vais mettre celui-là à bloquer aussi. Donc, du coup, j'ai rentré les fils. Mais je ne les ai pas coupés, hein, celui-là. Je les couperai après. Il est trop beau. C'est magnifique. Je vais vous les montrer tout vite, tous les deux. Je reviens. Voilà. Alors, oh, il est quand même super beau. Top baigneuse en merino tencel de chez Arco-Iris Coloris Daphné. Oh, j'adore. Il est pas. Finalement, c'est pas si près du coup, tout ça. On va voir avec le blocage. J'ai l'impression d'avoir des seins en bas. Alors, le TA maintenant. Voilà. Alors celui-là, je l'ai fait plus court pour qu'il arrive juste à l'élastique des jupes, tout ça. Et puis, j'ai retrouvé une jupe chardon taille haute de chez Direnzo, là, qui va super bien avec, aussi, je trouve. Voilà. Bon, mon relevage des mailles, il n'est pas merveilleux. Mais dans le paletron, elle fait un truc, j'en reparlerai sûrement en podcast. Elle relève, elle fait un relevage au crochet tout le long de l'encolure, toutes les mailles, et après elle pique dedans pour faire les côtes en fait. Voilà, donc ça c'est avec la plassard végétale. Du coup, c'est non, c'est 90 mètres ou 100 grammes, un truc comme ça. Moi je l'ai tricoté en 3,5 pour avoir un échantillon à 18 mailles, et du coup, j'ai adapté le. Pour le patron, c'était 20 mailles d'échantillon, et du coup, j'ai fait une taille en dessous pour avoir un truc qui correspond. Donc, j'ai monté, je sais plus, 80 pour avoir normalement la taille 94 pour avoir un truc à 100, 106, 108. Voilà. Donc, du coup, il fait un peu plus casual. Enfin, ça fait pas, je sais pas comment expliquer, ça fait un peu plus grossier finalement en fait, parce que le fil n'est pas régulier, il y a des endroits où c'est un peu plus épais, tout ça. Donc voilà, mais c'est pareil, je l'aime quand même beaucoup beaucoup. Voilà, et ben j'essaye de vous retrouver demain. J'ai rendez-vous à Nancy pour voir l'infirmière demain matin, donc je prends le train à 8 h. Rendez-vous à 10 h. Je vais peut-être faire un tour à la mercerie Rograph si j'ai le temps d'y aller avant que ça ferme à midi. Et puis voilà. Allez, à demain!
Du coup, on est mardi, il est 7h, il est trop tôt. Quelle heure il est? 7h20. Donc, je vais à Nancy ce matin. J'avais réservé mon train pour 8h et en me levant, il est supprimé. Voilà. Petit café dans la tasse. De la reine des neiges. Merci chérie. On l'entend boire, je suis sûre, à côté. Donc voilà. Donc je vais prendre le train de 7h40. Heureusement que j'avais pris de la marge. J'ai avancé hier. Pourquoi tu tapes la tasse sur tes dents? Mon Dieu. Donc j'ai avancé hier sur. Comment il s'appelle? Le gilet Saïgage, j'ai fait pas mal de manches. J'ai avancé sur ma chaussette et j'ai essayé de monter le top Resort 15 000 fois et j'arrive pas à faire le montage tubulaire. C'est, voilà, c'est pas possible. Et sinon, mon top Bellus est sec. Ah, il est trop beau. Voilà, donc j'ai fini mon café, je prépare mon sac parce que je pars dans 10 minutes. Et puis on se retrouve plus tard. Bye. Voilà, je suis à Nancy. J'espère que vous m'entendez avec ce petit truc là. Donc du coup je suis un peu en avance. Donc quand je suis à Nancy, ça fait un passage au Starbucks, un petit café et un petit gros muffin qui fera le goûter aussi. Dans le train du coup j'ai bien avancé la chose. Parce qu'en fait, normalement, c'est des rayures de 6 rangs. Et comme ici, là, il y a du jacquard, on est sur une grille qui a 8 rangs. Donc en fait, les deux dernières rayures, j'ai mis un petit rang de plus pour avoir la même longueur. Et la pointe, je pense que je vais la faire en blanche. Voilà. Pour rentrer, j'ai failli prendre. J'ai failli bobiner un cheveu pour faire des chaussettes en dernière minute et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire le challenge en 8h. Du coup, j'ai pris la laine pour réessayer le montage du resort et cette fois. C'est toi, je vais faire un montage en German Twisted Custom. C'est bon. On a marre du tube, là, ça marche pas. En plus.
Donc aujourd'hui on est mercredi. Je suis pas venue vous revoir hier soir le temps que je rentre tout ça et après il était tard et j'étais crevée. Ce que j'ai fait hier, j'ai fini les chaussettes. Alors c'est celle-là que j'ai fini hier. Donc j'en étais, je sais plus à quelle rayure, j'ai fini, je fais le grafting et elles sont bloquées. Et j'ai acheté, je vous avais dit que je passerais à la mercerie Rograph et du coup j'ai acheté les bloqueurs à chaussettes que je n'avais pas encore. Sont pas trop canons ces chaussettes. Voilà, donc j'ai acheté les petits bloqueurs pour que ce soit... Je lis sur les photos, donc voilà, ma paire de chaussettes. Pareil, pas pareil. Donc c'est le patron, c'est les chaussettes scellants de Maison Pleine Fleur. Voilà, avec les petites sardines là. Là, on a les petits bateaux. Et je crois que je me suis plantée pour faire le bateau. J'ai oublié un rang de jacquard. Voilà. Donc j'ai encore épuisé mes restes de restes. Donc là, cette fois, il y en a certains où vraiment j'ai plus. Voilà. Donc les mini d'ID auront servi à, je sais plus, une, deux, trois, quatre voire cinq paires de chaussettes. Voilà. Quand j'étais à la mercerie, je voulais reprendre de la Yavol en blanc pour être sûre d'avoir assez pour finir mon wannabe. Mais elle n'en avait plus. Elle n'en avait pas. Donc en fait, j'étais un petit peu désappointée. Parce que je voulais prendre de la blanche, de la bleu marine et de la rouge rouge pour faire une chaussette marinière marinière. Voilà, avec les codes marins, mais bon, voilà, tant pis. Et du coup, j'ai pris ça. Alors là, vous les voyez plus rouges que ce qu'ils sont. Enfin, c'est rouge, mais c'est rouge. Normalement, c'est rouge un peu bordeaux. C'est pas du rouge pétant comme ça. J'ai pris ça pour me faire le top iris de Longa et Cana. Et j'en ai oublié de prendre de la laine à chaussettes pour un autre test de chaussettes pour Maison Pleine Fleur, Estelle. Et je suis passée chez, je suis jamais sûre de le dire comme il faut, Sostrengreen. Voilà, j'adore aller chez eux. Même pour le plaisir des yeux, on trouve des trucs quand même assez sympas. Je me suis pris un petit crochet en 2,5 parce que le mien c'est avec du plastique et là il y a du silicone donc du coup je pense que ça devrait être sympa. Et j'ai trouvé des petits anneaux marqueurs aussi. Donc là-dedans il y a des marqueurs ampoule et des petits ronds et j'ai pris une boîte avec des petits ronds. Ampoule, les gros, et puis il y en a des plus petits. Et dans la boîte là, c'est les ronds la plus grosse taille. On n'a jamais assez d'anneaux. Hein. Et j'ai pris quoi aussi chez Sastrine? Je me suis pris une bouteille. Bon, ça n'a rien à voir avec le tricot. Je me suis pris une bouteille en verre avec le truc de silicone autour pour pas la casser. J'aime pas trop le goût de. Quand je bois dans les gourdes en alu, je trouve qu'il y a toujours un petit goût. Je suis très très chiante avec le goût. J'espère qu'on ne sentira pas le goût du silicone du bouchon. Donc je me suis pris une bouteille en verre. J'ai pris un jeu pour les enfants. Vous savez, les tours en bois là. Avec les petits bâtons qu'il faut enlever au fur et à mesure. Pour acheter un Jenga, je crois, un genre de Jenga,
pour qu'il fasse le jeu ou qu'il fasse des constructions. Et j'ai pris un truc pour poser les pinceaux quand il me fait de la peinture. Des petits trucs. Les petits anneaux là, c'est 1 euro. Celui-là, c'est 1,60 € et l'autre, c'est 1,10 € je crois. Et le crochet, je sais plus, il devait être à 2 € un truc comme ça. Ça, c'est à 5 € chez à la mercerie Rographe. Et les marqueurs, les bloqueurs, ils sont à 15 €. Et du coup, ce que j'ai fait, donc j'ai fini les chaussettes. J'ai essayé de monter le top résort. Encore une fois. Donc là, j'ai fait un German Twisted Custom. Tout va bien. Je fais 2 rangs de côtes. À plat pour être sûr de pas vriller. Et là, je compte mes mailles. Et au lieu d'en avoir 200, j'en avais 211. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc j'ai tout démonté et voilà. Et j'ai monté autre chose du coup. Je vous avais dit que je voulais faire le petit challenge des sockets. Et du coup, ben, j'ai commencé. Là, et puis vous en saurez plus sur la vidéo du challenge. Voilà, donc aujourd'hui je vais certainement continuer le challenge. Je vais voir pour essayer de monter le top freezer quand même, ou alors j'abandonne pour le moment et j'achète le iris et je monte le iris. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Voilà, allez. À plus. J'ai avancé un peu sur la chaussette. On va voir quelque chose. Donc, hier soir, j'avais fini le talon. On voit rien. Le talon, et là du coup j'ai fini le gousset, les diminutions du gousset, gousset, difficile à dire ça aussi. Et du coup j'ai mis 1h10, voilà, j'ai mis 1h10 pour faire les diminutions du gousset. Donc on en est. Une heure dix, 2 heures, 2h45 pour le moment pour ça. Voilà. J'essaierai d'avancer demain, sachant que je travaille demain soir, donc je sais pas trop si je vais tricoter ça ou pas. Et puis comme il est tard, je vais peut-être dormir un petit peu demain matin. Voilà. On verra. Ensuite,
Je vous ai dit le temps pour la chaussette, mais en fait, je fais une autre vidéo à côté pour ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à monter le top resort. Miracle. Voilà. Qui file en plein milieu du visage. Donc j'ai fait un German Twisted Caton. J'ai fait. Je crois que je voulais faire. Parce que je pense qu'il y a. Je me suis trompée. Je crois que je voulais faire deux rangs de côte en aller-retour et puis joindre après. J'ai été interrompue après ce qui me semble être le premier rang et j'ai joint en rond tout de suite. Donc je pense que j'ai inversé en fait mes mailles en droit, mes mailles en vert après le premier rang de côte, je crois. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, on s'en fiche. C'est monté. Et du coup, voilà, j'ai fait les 8, les rangs de côte, là, du bas. Et j'en suis à 4 cm. Un truc comme ça. 4-5 cm. Il faut en faire 36 avant de faire les bonnets. Je vais perdre des mailles. Il faut faire, voilà. Certaines hauteurs avant de commencer les bonnets. Cet après-midi, je suis allée chez ma copine Séverine. Il y a des gens dehors qui font du bruit à 23h. Son chien. Je suis allée chez ma copine Séverine. J'avais lancé un espèce de petit appel à l'aide sur le groupe des tricopines de mon tricoté d'Épinal. Parce qu'en fait, j'ai un test pour des chaussettes qui commence bientôt. Il faut 100 g de laine à chaussettes. On voit mon reflet dans les lunettes. le reflet du téléphone. Donc il faut 100 g de laine à chaussettes. Et en fait, je n'avais pas 100 grammes. Je n'avais pas des chevaux de 100 grammes. J'ai des chevaux de 50 grammes. Et hier, à la mercerie, j'ai oublié de regarder. Et du coup, ma copine Séverine m'a dit « Mais j'ai plein de laine à chaussettes à la maison. Viens choisir. » Merci beaucoup, Séverine. Du coup, il y en avait des précieuses et puis des moins précieuses. Forcément, j'ai craqué pour une précieuse. Donc, grâce à Séverine, je vais tester. C'est les laines du scarabée. Dans la base de Zephyra, carnet de croquis la couleur. Et c'est 50% laine, 25% fibre de bambou et 25% nylon. J'ai hâte que le test commence. C'est trop beau. C'est un beige avec des speckles mais très discrets. Un petit peu du vert et un petit peu du orange, du rose très doux, du petit violet. Enfin, c'est très très beau. Voilà. Et j'ai validé ma commande chez Madeleine. Voilà. Donc. J'aurai bientôt mes aiguilles, je pourrai continuer sur le Saiga et puis faire les manches de mon wannabe, il faut que je les fasse. Voilà, voilà, voilà. Ah, et j'ai fait l'échantillon pour le iris, qui d'ailleurs est encore en train de tremper. Il faut que je les sors avant d'aller au lit. Voilà, voilà. Donc, demain, il faut que j'avance les chaussettes. Je vais essayer, je sais pas trop, les chaussettes ou le top, en fait. L'un des deux. Et que je me repose avant d'aller travailler. Voilà. Je
crois qu'il faut faire des courses aussi. Voilà. Allez, je vais peut-être me remettre un petit peu à tricoter. J'étais en train d'écouter un livre audio. Et sinon, je regarde la série Cheer sur Netflix. J'aime bien regarder les cheerleaders. Voilà. Quand je ne trouve pas un podcast sur YouTube, j'ai regardé plein de podcasts ces derniers temps. C'est chouette de découvrir plein de personnes. Allez, à demain! Coucou tout le monde. Alors, nous sommes le vendredi 12 août. Il est 7h. Je sors du boulot. Et du coup, là, je suis à l'arrêt de bus. Je suis pas revenue vous voir hier. Bon, en fait, j'ai dormi un petit peu le matin. J'ai tricoté beaucoup le resort et j'ai avancé les chaussettes et il y a une voiture qui passe. Et j'ai avancé mes chaussettes aussi un peu cette nuit. Et là du coup elles sont presque finies, il me reste le grafting à faire. Donc pour mon petit défi, je filmerai pour le grafting. Voilà, donc aujourd'hui le programme ça va être dodo. En me levant, ben, finir le crafting de la chaussette, sûrement monter l'autre chaussette et puis avancer le resort. Donc du coup, l'autre soir, il y a deux soirs, j'en étais à 8 cm. Il y a du monde qui passe. Bonjour. Donc le petit bout de vidéo que je vous avais filmé, j'étais à 5 cm. Je suis allée me coucher, j'avais encore tricoté 3 cm, donc j'étais à 8. Et là, je suis à 16 cm. Et j'ai eu une pelote complète de fait. Je sais pas si c'était une pelote entière ou si c'était coupé puisque c'était sur un autre projet, tout ça. Voilà, donc du coup 16 cm, normalement il me reste encore 20 cm à faire avant de faire les bonnets. Voilà, mais par contre j'ai un petit doute, c'est sur la largeur parce qu'en fait je crois qu'il est petit. D'habitude c'est trop grand et là je crois que c'est petit. Donc on verra bien. Au pire je bloquerai et puis je verrai si ça passe. Allez. J'essaye de vous reprendre cet après-midi. Fais ça. Allez, ciao.
Bonjour. Bonjour. Alors, on est samedi, il est truc comme 14h à peu près. Du coup, petite nuit pour moi encore. J'ai rien tricoté du tout la nuit dernière. J'ai été vraiment crevée et on a passé une nuit assez compliquée. Et là, en me levant, j'ai eu le mail comme quoi ma commande de chez Madeleine qui devait arriver à la base mercredi était au relais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On allait le chercher aujourd'hui. On est allé le chercher. Et du coup, Achille, eh ben, il va m'aider à déballer. Et puis, on va vous filmer ça. Hein? Tu fais le petit assistant déballage? À tout de suite. Alors, je vous retrouve pour cette dernière petite vidéo de mon vlog. Alors, je triche un petit peu. On est lundi 15 août. Je ne suis pas venue hier. J'ai tricoté toute la journée. Voilà. Donc après, il me reste à faire tout le montage. J'ai pas commencé encore, mais ça va me prendre un certain temps, je pense. La luminosité est moins bien là. Il pleut enfin. Par intermittence, forcément, le jour où on est le 15 août, il n'y a pas de bus et je vais travailler ce soir, donc je vais y aller à pied. Voilà, bref, on s'en fout, mais c'est pas grave. Alors, du coup, j'ai beaucoup tricoté hier et j'ai fini mon top risor. J'ai même rentré les fils, cousu les bretelles, tout, enfin, c'est voilà, il ne reste plus qu'à le bloquer. Voilà. Donc j'ai l'impression d'avoir mis un temps de dingue pour le faire. En fait, je crois que j'ai dû mettre 3-4 jours. Voilà. Alors du coup, j'étais partie sans échantillon, tout ça. J'avais l'impression qu'il était un petit peu trop près du corps en bas. Donc du coup, j'ai fait des augmentations à peu près au niveau de la poitrine. À ce niveau-là, vers là. J'ai fait deux augmentations à quelques centimètres, enfin deux rangs d'augmentation à quelques centimètres d'écart pour avoir la taille au-dessus, au niveau de la poitrine. Et puis au blocage, je vais essayer de tirer un petit peu dessus. Il me va bien, c'est pas, je suis pas serrée dedans, mais c'est peut-être un petit peu trop moulant pour ce que j'aime bien. Et puis voilà, donc. J'ai fait les petits bonnets, les bretelles en jersey double, et puis dans le dos il y a l'I-cord, alors qui a tendance du coup un petit peu à rouloter.
au milieu là. J'ai pas changé ma taille d'aiguille pour faire la corde. J'aurais peut-être dû refaire un avec une taille en moins. Et puis sur les côtés, j'ai réussi. On voit pas grand-chose. Attendez, je vais vous pense que j'ai réussi à faire le début et la fin de la corde assez propre. Et voilà la couture. Petite couture des bretelles. Donc voilà, il va aller étrenner le tapis de blocage que j'ai reçu et dont Achille a fait la démonstration. D'ailleurs, je suis pas revenue sur ce que j'ai commandé chez Angèle. Du coup, j'ai commandé le tapis de blocage parce que posé sur des serviettes avec une couette en dessous, ça sèche pas. C'est trop long. Donc, le tapis de blocage. J'ai repris une paire d'aiguilles en 3,25. Ce qui m'a permis d'avancer un peu mieux là-dessus parce qu'en fait je tricotais au départ, je tricotais avec une aiguille en 3,25 et une aiguille en 3. L'aiguille où je formais les mailles en 3,25 à droite et l'autre aiguille à gauche. Donc voilà. Et après j'ai remis les deux aiguilles en 3,25. J'ai pris une petite aiguille circulaire fixe en 40 cm pour faire les manches. J'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit. C'est dingue comme en une semaine on. Voilà, et j'ai pris. La Knitting for Olive. Coloris, c'est Ace. La pure silk, et j'ai pris deux pelotes de guéret. Dans un gris. Alors, est-ce qu'il y a. Un nom de gris ou pas? Non, c'est le coloris 27. C'est de la déca, c'est pour faire un petit gilet pour un petit bébé. Mais pas pour moi. Voilà. C'est déjà bien. Déjà bien. Donc hier, du coup, j'ai fini ça. Le fait d'avoir récupéré des aiguilles en 3,25, j'ai pu ravancer sur. Quand même des fils qui traînent un peu partout sur le gilet Saga en sample pour Woolbax. Donc en fait, du coup, d'avoir les aiguilles 3,25, j'ai ravancé un petit peu pour avoir plus beaucoup de fils qui pendouillent en bas parce que le tout petit écheveau qui pendouillait en bas, c'était bien, c'était un peu pénible. Et j'avance la manche. Hein. Comme ça. Doucement mais sûrement. Et en fait, j'ai l'impression de vraiment de pas tricoter vite. J'ai une feuille. Pardon. J'ai vraiment l'impression de ne pas tricoter vite avec les circulaires par rapport à du Magic Loop en fait. Mais c'est quand même. Il n'y a pas de ligne en fait. Le Magic Loop, on a tendance à avoir un pli là. Et là, franchement, c'est sûr que d'être tout en rond. Mieux, mais je peux pas le faire non plus trop longtemps parce que je suis quand même un petit peu crispée. D'être comme ça, je tiens pas mon fil de la même façon que quand je tricote avec des aiguilles plus longues. Quand je tricote des aiguilles plus longues, un truc comme ça. Alors, j'ai mis des grosses aiguilles, mais en fait, mon fil, je le tiens, il est comme ça. Et en fait, je ne tends pas le doigt. Je tiens comme ça. Enfin, je tiens pas mon fil de la même manière. Donc là, je suis peut-être un peu chouïa plus crispée. Mais ça avance. Ça avance, ça avance. C'est dingue parce que le stelling à bronze, on ne le voit pas en fait. Hein.
C'est vraiment qu'à la lumière artificielle où ça brille. Enfin, ou alors faut vraiment vraiment pas mal de lumière, quoi. Voilà. Et du coup, Et du coup, j'avais fini cette semaine, j'ai fini la première chaussette de l'insox dans mon petit qui sortira dans ma petite vidéo challenge tricoter des sockets en moins de 8 heures sur une idée de Christelle d'Emma et moi. Donc voilà. Est-ce que je vous en dis plus? J'ai commencé la deuxième. Donc j'en suis. J'ai presque fini là les diminutions du gousset. Et ça, je les ai attaquées cette nuit. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a eu un bel orage à minuit, enfin, qui n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu un coup de tonnerre. Mon mari a fait un bond de 10 mètres dans le lit. Il m'a dit, oh, j'arriverai plus à dormir. Je redescends. J'ai dit, bon, tu m'en kikines. Il m'avait dit, allez, on va se coucher à 10h30. Moi, d'habitude, je me couche à minuit, quoi. Donc j'étais montée, je ne dormais toujours pas à minuit. Mais bon, voilà, donc on est redescendu. Lui s'est endormi en 3 secondes sur le canapé et moi je me suis couchée à 4 heures du matin. Donc, voilà, j'ai bien avancé. Voilà. Donc là, en théorie, vu que j'ai compté tout ça, j'en ai pour encore 1 heure pour le corps, une bonne heure pour le corps. J'en ai encore pour 2-3 heures de boulot. Et j'aurai ma paire de sockets. Et j'ai hâte parce qu'aujourd'hui nous sommes le 15 août et je vais normalement commencer un nouveau test pour Maison Pleine Fleurs. Avec le bel écheveau que je vous avais montré dans la semaine que j'étais allée chercher chez ma copine Séverine. J'ai très très hâte. Voilà. Et du coup, je réfléchis aussi beaucoup puisque. J'ai fini mon top riser. Quel prochain top vais-je monter? Bon, je pense que je vais monter le iris de Longa et Cana puisque j'ai déjà l'échantillon. Donc mon échantillon que je... Est-ce que je l'ai là? Sais pas si je vous l'ai remontré. Oui, je l'ai. Alors que j'ai là. Que j'avais l'avais posé comme ça, mais en fait je ne l'ai pas tiré. Je ne l'ai pas étiré quand je l'ai bloqué parce que j'avais pas le truc de blocage. Il faudrait presque que je prenne le temps de le rebloquer en tirant. Parce qu'en fait, juste posé comme ça, j'ai la. On ne voit pas bien. Oui, juste posé comme ça, j'ai le bon nombre de mailles, mais en fait, on voit pas bien les jetés tout ça par rapport au patron. Je cache ma bouche, désolée. Donc, je pense qu'en fait, je serais trop lâche. Je pense que c'est, il faudrait plus qu'il soit comme ça. Et du coup, là, je suis trop lâche. Donc là, j'avais fait en 3,5, ce qu'elle dit dans le patron. Je pense en fait que je vais partir sur du 3,25 et faire une taille en dessous. Genre, j'allais dire où est mon téléphone? Il est là. Je crois qu'il y a taille. Il faut 5 à 10 cm d'aisance et il y a taille
100, 100, 110, 120, enfin, j'aurais, en théorie, j'aurais quoi, 2, 3, 4 cm d'aisance positive avec la taille que je pense faire, mais du coup, vu que je tricote un peu là, j'aurais peut-être les 10 cm en fait. Bon, je vais y aller, je vais faire en 3,25 et puis on verra. C'est très joli, on voit rien du tout, mais voilà, on voit bien. Et à l'envers, c'est comme ça. Ouais, voyez, là c'est un peu rabougri. Et quand je tire un peu dessus, là on voit bien là. En fait, j'ai fait un blocage qui sert à rien. Sur le coup, j'ai pris une mesure, je fais oh ouais, c'est trop bien, je suis bonne et tout. Et puis après, je dis, regardons la photo du modèle. Ça, et après, et ben pour ma knitting for Olive, je suis en pleine hésitation. Parce que, en fait, j'ai pris la grise, parce qu'en fait, j'ai plein de restes. Parce que l'année dernière, j'ai tricoté pas moins de 3 top posies. Dans cette couleur-là pour Juline, dans cette couleur-là pour Faustine et dans cette couleur-là en sample pour Angèle. Donc il me restait ça. Que je ne me voyais pas mettre ensemble comme ça. Oui, ça va. Ça va même si moi, bleu et jaune, ça me fait toujours maintenant un peu penser à IKEA. Mais les trois comme ça, bof. Donc j'ai pris ça. Dans l'esprit de faire un truc avec des rayures un peu et pour faire le neutre entre les couleurs en fait. J'avais plus ou moins prévu de faire un truc avec juste les trois couleurs là peut-être. Ou avec les trois là, enfin voilà. Et finalement je me dis que les trois, enfin les quatre couleurs ça passe. Et en métrage, parce que c'est des gros restes, hein, en métrage, là comme ça, j'ai. Bon, ça fait 50 grammes. Celui-là, j'en ai 40. Et celui-là, j'en ai 35, 36, un truc comme ça. Donc, j'ai 100, 160, 170 grammes. Le métrage. Bien préparer ton truc encore, Francine. C'est 250 mètres pour 50 grammes. Donc en fait, là j'ai 200 mètres et là j'en ai 180 mètres, je crois, un truc comme ça à chaque fois. 180, 180, ça fait 360. 450, 4, 5, 6, 7, 700. J'ai 800 mètres. Voilà. J'ai à peu près 800 mètres. Et donc ça passe large pour faire un petit top sans manche, par exemple, June top de petite knit. Donc le June top qui a des petites bretelles, un décolleté comme ça, avec un I-cord et les finitions font un peu presque accru finalement. Donc celui-là me plaisait bien, mais je me dis que j'ai le TA qui ressemble, même si le TA c'est en gros calibre, ça va pas faire le même rendu. En plus, ça c'est en... ce sera avec des espèces de rayures. Et il y a aussi l'After Beach Tea de Atelier Émilie qui me plaît beaucoup beaucoup et du coup j'aurai ce qu'il faut. Mais comment répartir les couleurs? Parce que ben, en fait il va falloir que je fasse des mats puisque j'ai pas partout pareil. Mais ça que ce soit dans le... Dans le June top, du coup, on en mange peut-être un peu moins. Donc j'ai peut-être un peu plus de marge de sécurité, mais j'ai déjà des tops sans manches et pas de t-shirt. Et j'ai envie de ça, et je me dis qu'on est déjà le 15 août, et ça y est, il commence à repleuvoir et tout ça. Bon, après, au pire, je l'aurai pour l'année prochaine. Parce que là, je pense que je vais plus perdre 15 kilos, hein. Mais j'aime bien. Donc voilà, donc c'est là-dessus que je vais vous laisser
pour ce petit vlog. Maintenant, il va falloir que j'aille monter tout ça. Ça va être fantastique. J'espère que ce format vous plaira. Je vais essayer de mettre. Je me suis filmée en train de tricoter. J'ai pris des petites photos. Je me suis filmée en train de monter ma petite vidéo sur les chaussettes scellantes, tout ça. Donc, j'espère que je vais réussir à faire quelque chose de bien. Que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours. Vraiment, j'ai pas beaucoup de retours sur mes vidéos. J'ai des j'aime, donc merci beaucoup à ceux qui mettent des j'aime. Mais j'ai pas trop de commentaires. Donc, enfin, j'ai pas de commentaires. Donc, c'est pas un problème, mais juste dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qu'il faut que j'améliore. Enfin, voilà, je continue à faire des choses, mais voilà. Donc, du coup, je vais monter ça. Je vais monter aussi la vidéo sur les chaussettes. Et puis, voilà. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à prendre des petites vidéos un peu tout le temps, à filmer un petit bout presque tous les jours, enfin peut-être des fois plusieurs fois par jour aussi pour vous faire un petit point. J'ai trouvé ça rigolo. Donc voilà, si ça vous plaît, dites-le moi, ce serait chouette. Je vous fais des bisous. Qu'est-ce que je peux dire? Arrivé à ce stade de vidéo, à chaque fois, je suis. Attends, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je l'ai dit au bon moment? Bon. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si ça vous tente. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Bye bye!